Quelle griffe entre en scène? Alors déjà, la signature griffe, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, hein, c'est celle, par exemple, de Roxane Griffe, c'est la famille Bertrand, qui possède un très très grand élevage, évidemment. Donc voilà un des représentants de cet élevage, Kay Griffe. Un cheval qui s'est montré très précoce. Il a gagné la première course de 2 ans à Enghien, en région parisienne. C'était un 2 août, donc voilà, un cheval qui a montré tout de suite beaucoup de vitesse. Il a également gagné le premier groupe de sa génération, le prix Louis Cauchois. Donc on est vraiment là face à un poulain qui a montré une classe naturelle, une vitesse naturelle et qui a tout de suite été exploité, évidemment. Il a également des performances classiques. Hein. Sa carrière l'a emmené jusqu'à la 4e place du 4 mai 3 ans, derrière un certain Charlie Dunoyer. Donc voilà, on a un élément qui a montré précocité et également la tenue. Hein, 4 mai 3 ans, c'est sur 2700 mètres à Vincennes. C'est sur la performance la plus classique de Vincennes qu'on puisse imaginer. Kay Griffe, c'est 66 courses, 8 victoires, 450 000 euros de gains, avec une particularité, c'est 8 victoires en France et 11 victoires au total. Alors cherchez l'erreur, c'est qu'en fait il a gagné 3 fois en Suède, il a fini sa carrière en Suède, et il a gagné en Suède, et s'est placé à Solvalla, la piste mythique suédoise. Kay Griffe est proposé au Haras du Grand Val, 1 500 euros poulain vivant.